Bien, Jacques Delors, je vous repose ma question du début de l'émission. Est-ce que vous êtes, oui ou non, candidat à l'élection présidentielle ? Bien, c'est un cas par exception, je vais lire. C'est ce qui est rare chez moi, puisque même mes exposés, je les fais d'habitude à partir de peu de notes. Comme beaucoup le savent, je n'ai jamais organisé ma vie en fonction d'une carrière à réaliser ou de poste à conquérir. J'ai toujours essayé de choisir de travailler, de militer là où j'estimais être le plus utile pour les valeurs que je défends, pour la société et pour mon pays. Et c'est dans ce même esprit que j'ai orienté mes réflexions de ces derniers mois. J'ai décidé de ne pas être candidat à la présidence de la République. Ce n'est pas une décision qui fut facile à prendre, je voudrais donc l'expliquer le plus simplement possible. Autant le dire d'emblée et de la manière la plus claire, beaucoup de raisons personnelles me poussaient à dire non. Je vais atteindre 70 ans, je travaille sans relâche depuis 50 ans, et il est plus raisonnable dans ces conditions d'envisager un mode de vie plus équilibré entre la réflexion et l'action.